Donc salut les amis, voilà c'est parti, grand départ, direction le Gers, il est 3h02, j'ai à peu près 7 heures de route depuis la Bourgogne où je me trouve actuellement. Voilà les amis, il est 10h30, je suis arrivé dans le Gers, là j'arrive dans 3 minutes, et déjà une belle claque dans la gueule, quel paysage, quelle diversité, entre les tournesols, les colzas, les champs de blé, les prairies, les vignes qu'on voit là, c'est juste magnifique. C'est un biotope magnifique pour le brocard. Je sens que je vais m'éclater, ça va être génial, je le sens. Je suis hyper content et j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, ciao! Non, tu as touché, tu as touché. Ouais. Yeah. Mika vient de tirer un super beau brocard. On vient de le retrouver. C'est vraiment un brocard exceptionnel, je suis vraiment content pour lui. On devait approcher dans un champ de soja un brocard qui était avec sa chevrette. On l'a approché et quand on est arrivé sur place, il n'était plus là. Il y a trois autres brocards qui sont arrivés, des jeunes brocards. Et puis au bout d'un moment, je me tourne
Et je vois ce brocard monstrueux qui vient de la route tout doucement. Tac, 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 tac. Ça a mis au moins bien 5 minutes avant qu'il arrive à distance de tir. Et Mika s'est posé, a réussi à le tirer, était plein profil. Il met une balle un peu basse, mais je pense qu'il y en a une qui touche le cœur. Le brocard, il a fait 200 mètres, il est tombé dans le soja. Magnifique, on vient de le retrouver. La matinée, elle n'est pas finie, là. On a vu que ça bougeait beaucoup. On va aller sur un autre secteur pour voir si on peut encore trouver quelques jolis brocards. Allez.
Il est mort. Il est derrière le poule. Je viens de tirer un brocard. Brocard que on voit hier et où ça fait clic. Et on a essayé de le rapprocher ce matin. On est arrivé dans l'enclave. Il y avait la chevrette avec les deux chevrières et le brocard qui était couché. Un petit peu d'appau, la chevrette était intriguée. Puis le brocard s'est levé. Et il a dû faire 60 mètres de fuite. Un tir bien derrière l'épaule. Des sensations, une adrénaline extrême, c'était top. Allez, on va aller voir ça. Et voilà, le brocard qui s'était joué de moi hier matin. Ce matin, il était de nouveau sur ce pré. C'est une jolie tête bizarre, avec de jolies meules. Et je pense que c'était un vieux brocard. Il a la diarrhée, donc c'est vraiment un très bon tir. Amen.